Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Top Affiliation. Donc, Top Affiliation, si vous ne connaissez pas, c'est un blog qui va vous présenter les manières de travailler avec l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est une manière de promouvoir des produits qui ne vous appartiennent pas et de toucher une commission, bien souvent un pourcentage, sur la vente de ces produits. Alors, il y a tout un tas de plateformes d'affiliation qui existent, où vous allez pouvoir trouver des produits en rapport avec votre page Facebook ou votre blog avec différents thèmes. Vous allez pouvoir vendre des produits en rapport avec les paris sportifs, avec le bricolage, avec la pêche, avec le web marketing, avec tout un tas de sujets, mais également différents types de produits, que ce soit des produits du commerce traditionnel, c'est-à-dire un objet, un produit cosmétique, ou bien des produits dits numériques. Ça concerne notamment les e-books, les formations virtuelles, les logiciels, etc. Alors, il faut savoir que un des domaines les plus simples pour faire de l'affiliation, c'est tout ce qui a rapport avec Internet. En effet, vous allez pouvoir trouver des produits qui sont relativement faciles à vendre, qui sont des produits dématérialisés, donc numériques, des guides de formation, des livres électroniques, des formations en vidéo, des logiciels, des plugins, par exemple pour un blog WordPress, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la plateforme d'affiliation 1TPE. Donc 1TPE, c'est une plateforme de produits numériques. Vous allez pouvoir y retrouver des formations, des logiciels, des plugins, des abonnements à des clubs de différents types, des clubs d'affiliation, des clubs de paris sportifs, par exemple. Donc nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Alors, nous voici sur la page d'accueil de 1TPE.com. Donc je vous mettrai un lien sous la vidéo si vous souhaitez vous inscrire. Alors pourquoi je vous présente 1TPE? Parce que c'est la plateforme avec laquelle j'ai commencé à faire de l'affiliation. C'est une plateforme qui est très facile d'accès. Vous allez pouvoir trouver des produits à proposer pour votre blog, quel que soit le sujet de votre blog. Donc vous allez ainsi pouvoir, comme on dit, monétiser votre blog et gagner un petit peu d'argent au départ, voire, qui sait, peut-être un salaire ou tout du moins un revenu complémentaire. Donc ATPE, voici la page d'accueil. Vous allez pouvoir vous inscrire. Donc il suffit de cliquer sur connexion et ici de cliquer sur pas encore inscrit. Donc vous allez pouvoir choisir un pseudo ici, indiquer votre email et créer votre compte tout de suite après, ce qui va vous permettre ensuite de naviguer à travers les différentes sections. Alors, moi je suis déjà inscrit. Voilà, donc nous voici dans la section inscrit de 1TPE. Donc, en cliquant sur catalogue produits, vous allez pouvoir voir un petit peu tous les types de produits disponibles. Donc, on peut naviguer par une recherche par mots-clés et également par catégorie. On va retrouver les meilleurs produits, les nouveaux produits et après tout un tas de catégories qui concernent bon, les secteurs les plus recherchés sur Internet, hein. S'il y a beaucoup de produits dans un domaine, c'est qu'il y a une forte demande. Donc généralement, si votre blog est dans une niche avec beaucoup de recherches, beaucoup de trafic, vous devriez retrouver des produits pour le thème dont vous parlez. Donc, par exemple, on peut regarder dans la section Internet et par exemple voir la création de site. Donc, on va retrouver des produits sur le blogging, la monétisation, des formations WordPress. Ici, WP Explosion, c'est un plugin. Donc, une sorte de logiciel qui va s'adapter à votre
blog WordPress pour apporter des fonctionnalités nouvelles. Ensuite, nous allons voir comment, par exemple, ici, on parle d'écrire des pages de vente. Ici, il y a un pack graphique, donc des illustrations, des photos, des bannières, etc. Ici, un pack avec des images libres de droit. Comment créer des espaces membres pour gagner de l'argent? Comment gagner de l'argent avec le blogging? Comment créer un e-book? Voilà, donc vous allez retrouver tout un tas de produits qui vont concerner votre niche, par exemple. Alors, si vous cherchez directement un mot-clé, on peut chercher par exemple la santé. Et donc là, on va tomber aussi sur des produits donc en rapport avec la santé. Il y a énormément de produits disponibles sur un TPE. Je ne sais plus exactement combien, mais c'est plusieurs milliers. Alors une fois qu'on est là, voilà, vous avez un blog par exemple sur la santé, vous vous dites comment faire ensuite. Alors tout simplement, moi ce que je vous conseille, c'est de chercher un produit qui a une commission assez importante. On sait que sur Internet, un produit qui se vend peu cher peut être perçu comme un produit de qualité moyenne. Donc visez quand même un prix de produit intéressant, sachant que les commissions peuvent être de 0 à 70%. En arrivant sur cette page, on peut se dire qu'il y a environ 50% de commission en moyenne. Donc le produit vaut deux fois plus que le prix indiqué ici. Donc avec une commission autour de 20 euros, vous allez gagner correctement sur chaque vente et le produit vaudra en réalité autour de 40 euros, ce qui est relativement accessible pour tout le monde. Donc ce que je vous conseille, c'est de chercher un produit qui tourne autour des 20 euros de commission. Ensuite, comment faire pour savoir si c'est un bon produit ou pas? Alors ça, c'est un petit peu plus difficile, mais il y a quand même quelques astuces. Alors par exemple, nous allons prendre ce produit, le régime paléo, donc commission sur vente 18,50 €. Bon, bien sûr, si vous voulez proposer ce produit, il faut que vous ayez un blog sur les régimes, sur les manières de maigrir, etc. Vous n'allez pas proposer ça sur votre page Facebook à n'importe qui, ou bien sur un blog qui parle de comment bricoler, par exemple. C'est certain que vous ferez quasiment aucune vente. Donc voilà, il faut proposer un produit adapté à votre trafic, à vos visiteurs. Donc ensuite, vous cliquez sur ce petit signe. Donc on voit que le produit a été mis en vente en mai 2017, donc c'est un produit assez récent. Ensuite, on voit que effectivement la commission est de 50%, donc il est vendu 37 euros hors taxe. Et donc vous, votre commission, si vous faites une vente, sera de 18,50 €. Bon, c'est un produit récent, donc il y a un seul affilié qui a vendu ce produit. Et le remboursement est non significatif. Donc, alors, en arrivant là, vous pouvez vous dire, il n'y a qu'un affilié qui l'a vendu. Bon, je ne prends pas le risque. Ben, c'est une mauvaise idée parce que le produit peut être très bien. Et donc le mieux, c'est si vous avez vraiment un blog sur le sujet, que vous vous intéressez au sujet, achetez-le. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Donc si vous étiez vraiment insatisfait, vous pourriez éventuellement vous faire rembourser, ce que je ne conseille pas forcément. Une fois acheté, je vous conseille de le garder tout simplement. Et donc de voir sa qualité. Et si vous êtes vraiment conquis, eh bien proposez-le. C'est pas parce qu'un produit vient d'être lancé qu'il est forcément mauvais. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de statistiques sur le remboursement. Donc on va prendre le produit d'à côté, par exemple, combattez votre stress. C'est la même chose. Donc produit qui date quand même de 2 ans, mais qui par contre a été vendu que par un seul affilié, donc ce qui n'est pas énorme.
Donc on va pas pouvoir voir encore sur ce produit ce dont je voudrais vous parler. Ici c'est la même chose, donc une vente, enfin non, pas une vente, vendue par un affilié. L'affilié peut très bien avoir fait des centaines de ventes, hein. Alors mettons cette formation là. C'est la même chose. Un seul affilié a vendu. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit plus clair, je vais vous montrer directement dans les meilleures ventes. Voilà, meilleur produit par exemple. Si vous allez sur cette section-là, vous voyez tout de suite des statistiques intéressantes. Donc c'est une autre manière aussi de chercher un produit dans votre niche qui soit vraiment un best-seller. Vous allez avoir le taux de transformation, c'est-à-dire que ça, c'est le nombre de personnes qui achètent une fois qu'elles sont arrivées sur la page de vente. Donc plus le chiffre est élevé, plus ça veut dire qu'une fois que vous avez envoyé quelqu'un sur la page de vente, celui-ci va acheter. Par exemple, ici, 12%, ça veut dire que 12 personnes ayant consulté la page de vente vont acheter le produit. Donc c'est intéressant, on a parlé tout à l'heure de la niche de la santé, on va regarder plutôt un produit sur la publication d'e-book, donc avec une commission de 12 euros. Alors bien évidemment, proposez ce produit si vous avez un blog qui traite de ce sujet-là. Donc voilà, par exemple, on a des statistiques plus fournies, c'est un produit qui a 3 ans. Il a été vendu par 49 affiliés différents et on a eu seulement 2% de remboursement. Ce qui veut dire que le produit est de très bonne qualité pour avoir si peu de remboursement. Donc 49 affiliés, on ne sait pas combien il y a eu de ventes, mais ça peut vouloir dire qu'il y a eu des centaines ou des milliers de ventes, hein. Chaque affilié peut très bien faire énormément de ventes. Donc le taux de remboursement est vraiment très faible, ça veut dire que c'est vraiment un produit qui doit être génial. Et on voit que la transformation de 12%, c'est relativement énorme aussi. Donc non seulement le produit doit être génial, mais également la page de vente doit être vraiment de très très bonne qualité. Un autre produit, par exemple, avec un excellent taux de transformation, c'est Jeunesse illimitée, comment rester jeune? Alors, on va regarder un petit peu. Donc là, 44 affiliés ont vendu le produit. 8% de taux de remboursement, ça reste tout à fait raisonnable. On peut considérer qu'en dessous des 10% de remboursement, c'est vraiment très très bon produit. Puisque ça veut dire que vous allez en vendre 10. Un seul va demander un remboursement. Peut-être parce que le produit ne lui correspondra pas. Et donc, vous allez faire 9 ventes sur 10. Alors, je voudrais chercher un produit qui a un taux de remboursement plus élevé pour vous montrer un petit peu. Donc là, 6 avec non significatif. Non significatif également. Donc ça, c'est tout ça, c'est des produits qui sont non significatifs également. Alors, on va regarder parce que dans la catégorie argent, généralement, on peut trouver des produits qui sont qui peuvent être, on va dire, un petit peu borderline, tout ce qui est paris sportifs, etc. Donc on annonce souvent des grandes promesses et les gens peuvent être déçus par certains produits, d'où des taux de remboursement qui peuvent être un petit peu plus élevés. On va voir par exemple sur le turf. De remboursement, ce qui n'est pas non plus énorme. Voilà, ici ce produit par exemple a un taux de remboursement un petit peu plus élevé. On atteint les 12%. Bon, ça reste toujours dans la norme, mais voilà, dès que on est dans le secteur des produits pour gagner de l'argent, généralement les gens s'attendent à des miracles, à devenir riche sans rien faire en quelques jours, et donc il demande parfois des remboursements. Donc il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Évidemment, si vous aviez un produit avec 50% de taux de remboursement, là, bon,
C'est pas évident à proposer, mais dans le reste des cas, autour de 10%, ça reste tout à fait raisonnable. Donc voilà, je pense vous avoir expliqué un petit peu comment choisir un produit sur un TPE. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment utiliser ce produit et le promouvoir. Donc là, vous avez un produit, vous savez qu'en le vendant, vous gagnez 8 euros. Taux de remboursement de 4% qui est assez faible. Ensuite, vous allez arriver sur cette partie-là. Donc avec votre pseudo, donc moi c'est Astuce Eco, vous le vôtre sera indiqué à la place à cet endroit-là. Vous allez obtenir des liens pour promouvoir le produit. Alors il y a un lien Facebook si jamais les autres liens sont bloqués. Ça peut parfois être bloqué. Il y a un lien directement page de vente. Là, je vous le conseille pas forcément. Il y a parfois un formulaire de capture d'email avec la personne qui vend le produit qui s'occupe de relancer les abonnés, etc. Donc c'est un travail qui peut être fait par la personne. Également, la page de vente, si vous l'envoyez directement sur la page de vente, votre visiteur n'achètera pas forcément. Il est quand même mieux d'avoir une relation avec lui par email notamment et de lui proposer différents produits, différentes ressources gratuites et d'y insérer votre produit. Alors parfois on préfère ne pas diriger directement vers la page de vente mais vers une page de capture lorsque l'on ne l'a pas faite soi-même en fait. Là, ce sont les liens donc, que vous allez utiliser pour proposer votre produit. Donc le lien crypté. Donc on ne voit pas votre pseudo, ça permet un petit peu de masquer cette information. Et là, le lien avec pseudo. Parfois, vous pouvez aussi trouver des bannières. Là, c'est le cas. Donc voilà, cette bannière, vous allez pouvoir l'insérer par exemple sur un blog. Alors personnellement, j'étudie pas mal ce qui se fait. Au niveau des blogueurs professionnels, et il s'avère que la tendance des bannières est un petit peu en train de disparaître. Les blogs sont de plus en plus soft avec de moins en moins de choses qui clignotent, et donc la chose à réaliser est plutôt de créer une capture d'email, puis après de communiquer avec vos abonnés par l'intermédiaire de cette capture d'email et d'un autorépondeur et de leur proposer régulièrement des astuces, des produits gratuits, des ressources pour les aider et de temps en temps de proposer justement un produit d'affiliation comme celui-ci. Mais dans ces cas-là, vous allez uniquement proposer par exemple le lien crypté dans votre email. Les bannières, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est de moins en moins utilisé. Donc voilà, nous avons vu comment s'inscrire sur un TPE, comment choisir un produit, bien se souvenir qu'il faut choisir un produit qui corresponde au thème de votre blog. Ensuite, vous pouvez sélectionner votre produit en fonction des commissions sur vente, du taux de transformation et du taux de remboursement. Ensuite, vous prenez le lien d'affilié, vous l'intégrez dans votre newsletter. Ou bien vous pouvez prendre éventuellement une bannière, l'intégrer sur votre blog, et ensuite vous allez laisser le système faire son travail. Donc bien évidemment, reste pour vous à mettre en place votre newsletter avec un autorépondeur, à créer votre blog et à y faire venir du trafic. Donc tout ça, on le verra sur Top Affiliation, et d'ailleurs on le voit dans la formation gratuite. Vous pouvez vous inscrire sur le blog par l'intermédiaire du formulaire d'inscription et je vous donnerai tout un tas d'astuces pour réussir en affiliation et obtenir des revenus intéressants, voire prometteurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite sur Top Affiliation.